interviewé dans une vidéo pour parler d'activités, et plus précisément d'activités que l'on peut faire aux jeunes bambins que l'on garde pendant le babysitting. Le babysitting, c'est un des jobs que l'on fait le plus souvent, à mon avis, quand on est jeune, pour se faire un peu d'argent de poche. Et parfois, on arrive là-bas un petit peu anxieux parce qu'on ne sait pas si les enfants sont bêtes, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire pour les distraire un petit peu. Donc, je vais te donner aujourd'hui une idée de jeu que moi, je faisais quand j'étais petite et que je faisais aussi quand je faisais du babysitting et qui ont... pour certaines assez bien marché. J'ai plusieurs idées, donc je te laisse aujourd'hui une idée, et si d'autres idées t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ainsi je sais que je pourrais en filmer d'autres. Les activités que je te propose sont très peu chères puisqu'elles nécessitent presque pas de matériel, ou en tout cas du matériel assez basique, et ce sont des jeux qui souvent ont été un petit peu oubliés, enfin je pense qu'ils ont été un peu oubliés, donc ça peut être cool de les faire redécouvrir à ses enfants qui peut-être ne les connaissent pas du tout. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo. Pour réaliser une cocotte en papier, tu auras besoin de feuilles de papier, de crayons de couleur ou de marqueurs, d'un bic et d'une paire de ciseaux. Tout d'abord, il nous faut une feuille carrée. Si comme moi, tu as des feuilles à 4, pas de souci. Il suffit de rabattre une pointe vers le côté opposé en formant un angle droit et couper le surplus de papier. Lorsque tu as la feuille carrée, la première étape est de la plier dans le sens de la diagonale. Tu réouvres ensuite la feuille et tu la plies dans le sens de la deuxième diagonale. On réouvre la feuille et on plie chaque pointe vers le centre de manière à obtenir un carré. On retourne la feuille et on rabat encore une fois les extrémités vers le centre pour obtenir un carré mais plus petit. Il suffit maintenant de placer tes doigts dans les encoches qui ont été créées. Arrive enfin la partie la plus amusante, décorer la cocotte et y écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Bon amusement !